NetBeans platform application, but in the GIS space, and Fabrice is going to talk about it. Merci. Bonjour tout le monde. Bon, moi je peux parler de choses purement informatiques. En fait, moi je viens plus du monde du SIG. Donc, le SIG, c'est la fusion de la géographie avec l'informatique. Donc, la forme la plus populaire du SIG qu'on connaît, c'est Google Maps, en fait. Mais Google Maps n'est pas le leader dans le domaine. Can you speak a bit louder? Oh, ok. Je disais que je vais parler des choses un peu plus techniques en fait, voilà. Moi, je vais parler plus de SIG parce que je suis spécialisé en SIG. Pour ceux qui ne savent pas, le SIG, en fait, c'est l'intersection entre l'informatique et puis la géographie. Donc, c'est l'application des techniques informatiques aux sciences géographiques, en fait. Pour le grand public, le SIG, c'est Google Maps. Mais en fait, Google n'est pas le leader dans le domaine, en fait. Le leader, c'est S3. Donc, pour parler un peu de moi, je suis Fabrice, j'ai 10 ans d'expérience en SIG. J'ai travaillé chez S3 en tant que développeur. Et puis, actuellement, je suis à mon compte, en fait. Je suis consultant chez UAGF. Donc, j'ai en plus de mon entreprise ici, deux entreprises en Afrique, en fait, dans le domaine de l'informatique et puis du matériel. Donc, l'histoire dit Zitopo, en fait, c'est un peu une histoire, en fait, parce que c'est un logiciel que j'ai développé en 2004 au Mali, et je faisais mon cycle ingénieur en topographie. Donc, j'ai développé cette application pour me payer mes études, en fait. Donc, je développais la nuit et puis le matin, je n'ai pas tôt au cours. Et puis, je commercialisais ça auprès des géomètres experts. Donc, j'ai vendu à beaucoup de cabinets et puis j'ai économisé pour venir en France, en fait. Donc, cette application-là, j'ai fait la première version en 2004. C'était une application simple. Je commençais à m'extasier devant VB. Donc, je l'ai fait en VB, en fait. Et puis bon, ça a bien marché. C'est aujourd'hui l'application la plus utilisée dans les cabinets au Mali. Donc, c'est une application dans sa version VB qui fonctionne. Alors, que fait le logiciel? Le logiciel, dans sa version ancienne, en fait, c'est un logiciel de calcul topographique. Donc, qui collecte toutes les données de terrain, qui les calcule, et puis qui passe la main à AutoCAD. Je ne sais pas si vous connaissez AutoCAD, en fait, qui est un logiciel de dessin. Pour faire le dessin, pour faire simple, je vous fais une petite démo. En fait, j'avais prévu 16 diapos. Je me suis dit qu'on a 45 minutes, donc et après, je me suis rendu compte que nous sommes trois, en fait. Donc, j'ai fait ça. C'est l'ancienne version, en fait, la version 3. Ça, c'est la version développée en VB. Donc, c'est une version simple. On ouvre un projet. Voilà. La spécificité, en fait, de cette version là c'est que j'ai aucun plugin, c'est que j'ai tout développé, l'espace graphique, les dessins et tout ça, tout est codé à la main, en fait. Il n'y a pas de framework et tout ça. Vraiment, je m'extasiais devant VB, et puis bon, quand il arrivait à dessiner un trait, je criais la nuit seule, en fait. Donc voilà, donc on arrive à faire des choses un peu, voilà, comme ça, mais c'est vraiment pas assez intéressant. En fait, la chose intéressante là-dedans, c'est qu'il calcule, il permet de visualiser, et en fait, il est couplé aussi à AutoCAD. Donc là, je vais vous montrer une version d'un dossier qu'on peut avoir avec le logiciel. Vous allez voir, le logiciel, il ouvre AutoCAD, il envoie son dessin sur AutoCAD, en fait, et puis AutoCAD fait le dessin. Puis après, les géomètres peuvent faire l'impression. Donc moi, je fais que la visualisation et puis après, bon, je passe la main parce que je n'ai pas les compétences pour développer le seul corps AutoCAD. Mais je peux lui dire de faire le dessin, en fait. Donc, bon, c'est ce que je fais. Voilà, donc dans la version VB, on a un peu plus de 85 fonctionnalités. Donc, bon, ça m'a pris un lundi et demi environ à développer ça. Et puis bon, arrivé au moment donné, j'ai rencontré le SIG après, en fait. Donc, ça m'a intéressé de porter mon application VB
d'un environnement SIG. Mais comment faire du SIG avec VB6? Ça, c'était vraiment la grande question. Et puis, en fait, dans mon cheminement intellectuel, j'ai rencontré Jet. Jet, en fait, il a envoyé un mail via le seul. Et il est venu nous faire la formation à Pau. En ce moment, j'étais consultant pour SRI chez Total, en fait, à Pau. Donc, il est venu, il nous a formés. Et j'ai dit, bon, mais c'est intéressant. Mais qu'est-ce que je peux en faire? Donc, je continue encore à rechercher. Bon, là, je vous ai fait la démo. Des solutions. Mais j'avais beaucoup de problématiques, en fait. J'avais tout ce que vous avez vu là. Tout ce que vous avez vu dans la démo que j'ai fait, en fait. Il n'y a pas de base de données derrière. C'est que du fichier test. D'ailleurs, je vous montre les fichiers. C'est des fichiers test que j'ouvre et puis je dessine, en fait. Je ne connaissais pas les bases de données. Pour moi, voilà. Je connaissais fichier accès direct, fichier accès séquentiel. C'est tout ce que je connaissais. Donc, moi, je me suis monté ma structure de données. Et puis, bon, j'arrivais à mes fins. Donc, j'étais content. Mais un jour, j'ai eu vraiment une rencontre, en fait, avec un spécialiste du SIG qui m'a montré ce que peut faire le SIG. Je me suis dit, absolument, il y a une chose. Je manque de connaissances, puis je manque de compétences. Donc, voilà. Je vais me former en France d'abord, puis après, on verra. Puis après, j'ai eu la chance de bosser au développement chez SRI, en fait. Donc, à côté de ça, la version VB avait beaucoup de problèmes, en fait. Le premier problème, c'est qu'il n'y avait pas d'interopérabilité. C'est que mon logiciel, je ne peux pas lui ajouter des données au format standard, en fait. La deuxième chose, c'est que Microsoft ne m'a pas dit, ils ont arrêté le support de VB. Donc, je me suis dit, bon, là, c'est compliqué maintenant. Je suis vraiment poussé vers la porte. Je fais quoi? La troisième chose, c'est que vraiment dans le développement, je commençais à arriver aux limites. Si je vous montre le projet VB, il a au moins 90 feuilles, en fait. Donc, parce que toutes les fenêtres qui s'affichent, c'est des feuilles, en fait. Donc, s'il y a 85 menus, il y a 85 feuilles minimum. Et puis, pourvu que pour chaque fonctionnalité, vous basculez d'un menu à l'autre, ça multiplie le nombre de feuilles par deux. Et puis, il y avait vraiment la poussée du siècle. Le SIG, aujourd'hui, on commence à voir les téléphones avec des applications de cartes et tout ça. Ça se retrouve partout. On ne s'en rend pas compte, mais le nombre de domaines dans lesquels on utilise le SIG aujourd'hui est effarant, en fait. Donc, il a fallu faire des choix techniques. Il a fallu abandonner le système de fichiers que je vous ai montré là pour basculer à un modèle de base de données. Donc, et c'est ce qu'on a fait. Il a fallu aussi faire des choix de technologie. Bon, je ne vous dis pas que, parce que là j'ai vu des experts dans ça, on n'a pas fait les meilleurs choix, mais on a fait les choix par rapport à la problématique. D'ailleurs, il y a un expert de chez nous qui disait qu'il n'y a pas de mauvais choix. Donc, alors, les choix techniques qu'on a eu à faire, on a choisi NetBeans pour leader et pour la plateforme. La deuxième chose qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé un certain nombre de briques SIG, en fait, qui permettent de ne pas réinventer la roue. On a regardé la majorité de ces briques qui étaient faites en Java. Donc, on est resté en Java avec NetBeans. On était bien. À côté de ça, pour la base de données, on a utilisé une base de données, on a utilisé PostgreSQL avec sa couche spatiale. À côté de ça, on a mis un ORM spatial, Hibernate, mais dans sa version spatiale. Je crois que c'est la version 4, en fait. Pour la structuration du code, on a mis du Spring. Pour tout ce qui est chaîne de construction logicielle, bon, on a des tests unitaires, on a du Maven. On a un serveur de compilation continue. Donc, simplement, ça donne quoi l'application? On a une partie cliente, on a la base de données qui est centrale, on a même développé une partie web, en fait. Simplement encore, la partie cliente est faite avec NetBeans. Donc, ça se cale bien dans l'idée de NetBeans. Parce que ce qu'on a fait dans le fait de repenser l'application, on s'est dit, bon, on va mettre le SIG comme le socle
et puis autour on aura des métiers en fait. Donc la topographie c'est un métier. Vous voyez ici en fait dans le client, on a le socle ici, qui est la carte avec la base de données. Bon, la base de données, moi j'entends bien tous les accès à la base en fait. La base de données, on n'est pas là. Et puis après, on a des métiers, CADAS, sécurité, topographie, SIG, lotissement. Et puis on qui enrichissent la base de données et sur la base de données, en fait, on peut construire une infrastructure de SIG web. Un peu plus en mode détaillé, lorsqu'on rentre dans la partie middleware, en fait, on aura Spring et puis Hibernate pour l'exposition des services et puis la partie DAO. Puis après, bon, je pense que vous connaissez. Voilà, donc, sans plus tarder, je vous fais une petite démo. Ce qu'il faut savoir, c'est que bon, cette année en fait, on a participé à un petit concours parce que on a utilisé la nouvelle version de l'application pour participer au prix de l'excellence au niveau de la direction générale des impôts à Abidjan. Donc, et on a remporté le prix en fait. Donc, je vais démarrer. Donc là, attendez, je vais vous montrer. Voilà l'organisation sous forme de modules. On a tous les modules là et puis l'application ici en fait. Donc lorsque la personne démarre, elle se présente comme ça. Voilà, on a derrière la base de données à laquelle on se connecte. Bon, j'ai tout en local, hein, mais j'ai pas pris de risque en fait. Alors, donc, je vais vous présenter une donnée pour aller d'un cas concret. Cette donnée-là, en fait, c'est une donnée réelle en fait. C'est des données du cadastre de Côte d'Ivoire. Donc là, on a une section cadastrale. Donc là, imaginez que les différents rectangles ici, en fait, c'est des parcelles de maison. C'est des parcelles en fait. Voilà. Donc la problématique qu'ils ont là-bas, c'est qu'ils recherchaient un logiciel en fait pour leur permettre de leur fournir des fonctionnalités métiers pour consolider la donnée dans une base de données parce qu'ils n'ont pas de base de données. Donc cette donnée là on a une fonctionnalité au sein de l'application ici. Donc vous voyez ici les différents menus sont liés au métier concret. On a la topographie, la partie carte, la partie SIG, la partie cadastre. Et puis à l'intérieur en fait vous avez les menus. Donc on a un menu ici. Ah, je n'ai pas ouvert de projet, excusez-moi. J'ouvre un projet parce que c'est vraiment structuré sous forme de projet. Et puis, à l'intérieur d'un projet, je vais importer des données. Donc, je peux importer le DXF, qui est un format AutoCAD. Je ne l'ai pas fait là parce que en fait, il importe le DXF et puis va reconstruire toute la structure, les lots, les îlots et tout ça. Donc, ça prend un peu de temps pour les intersections spatiales. Donc, je vais vous montrer directement ce que ça donne. Donc là, je lui demande de m'afficher les parcelles. Donc là, vous avez les différentes parcelles avec les informations. Et en fait, là, vraiment, l'avantage de NetBina, c'est qu'on a gagné au moins un an de développement. Parce qu'on a réutilisé toute la plateforme. Bon, j'ai vu une question sur la mise à jour. On a mis en place aussi, vous allez le voir ici. Bon, mais c'est normal, j'allais dire en fait, parce que on a défini un point de mise à jour en fait pour l'application. Donc lorsque l'application démarre en fait, chaque mois l'application va essayer de se connecter au point de mise à jour pour chercher une mise à jour. Et comme là il n'y a pas d'internet, donc vous avez les exceptions. Mais c'est assez intéressant parce que ça nous permet de déployer une fois l'application et puis de faire des mises à jour à distance. Via le point de mise à jour en fait. Et ça, vraiment on a trouvé ça génial. Alors, pardon, je ne ferme pas l'application. Donc, à l'intérieur de l'appli en fait, vous avez toutes les différentes couches que vous pouvez voilà, voir. On peut les afficher, les lots, îlots, et puis les sections, les manipuler. Toute opération qu'on fait ici, vous voyez là, je peux modifier. Je peux modifier là le. Je vais me mettre.
Voilà. Il me demande si je veux modifier la valeur. Je modifie en fait. Derrière, il m'envoie les requêtes en fait. IBANIT m'envoie les requêtes. De façon à ce que la prochaine fois que je bouge un peu la carte, vous voyez là, l'information est modifiée. Donc, il y a vraiment un couplage de leader avec toute l'infrastructure derrière. Et puis, c'est vraiment connecté à la base. Et ça, c'est fait pour toutes les fonctionnalités. La deuxième chose, bon, là, c'est leader. Il y a vraiment des modules métiers, mais pas plus que ça. Je vais vous montrer toute cette partie-là. Celle-là, en fait. La partie web. Parce que à partir du moment donné où l'information est consolidée dans la base, c'est très facile après de déployer une plateforme web en fait. Donc, je vais démarrer mon serveur. Je n'ai pas pu avoir internet, donc je démarre l'internet de mon téléphone en fait. Voilà. Et là, je démarre mon géoserveur, qui est en fait un serveur spatial open source, qui va se connecter à la base, qui va se connecter aux données et me permettre d'y accéder depuis mon application web. Bon, je vous épargne toute la gestion de GeoServer et tout ça. C'est quoi? Non, c'est GeoServer. C'est pas la donnée en fait, c'est le serveur spatial. Et je peux vous montrer hein, si vous le voyez en fait. Donc là en fait, je l'ai calé sur le port, voilà. Voilà. Ici, là, je n'ai vraiment rien customisé. Mais là, on peut voir que dans ma base ici, j'ai mes deux couches, îlot et pullot, que je peux visualiser. Donc là, c'est la même donnée que j'ai manipulée avec le client. Desktop, en fait, c'est la même donnée qui est exposée côté web. Et là-dessus, ce qu'on a fait, je vais démarrer encore autre chose. J'ai démarré un Apache, en fait, pour la partie site web. En fait, j'ai un double écran à la maison. Donc... Voilà. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a développé tout un site en fait. Avec en fond les couches de Microsoft. Et puis ici, vous allez voir, si on zoome. Si on zoome là, on a nos données qu'on a manipulées avec notre application Loud en fait. Et le vrai avantage pour la direction des impôts, c'est vraiment de suivre le fraudeur. Ben oui, parce que ce qu'on a fait, là je ne l'ai pas fait, mais on a mis un style en fonction de ceux qui payent l'impôt et ceux qui ne payent pas en fait. Et là ça commence à avoir une vraie utilisation dans la vraie vie des gens en fait. Donc avec ce projet là, on a pu montrer que en fait dans cette zone là, on était dans l'ordre de 10% de recouvrement de l'impôt en fait. Et que Mais en plus, ce qu'on arrivait à faire en fait, c'était vraiment de cibler les personnes avec leur numéro de lot, îlot, et puis de voir, par exemple, il y a des gens qui payent l'impôt pour une maison, pourtant ils ont la piscine à l'intérieur de la maison. Donc ça permettait de faire des actions de terrain, mais en connaissance de cause, pas de façon aveugle en fait. Bon, là la symbologie, je ne l'ai pas faite, mais c'est assez simple. Sur un champ, de colorer des parcelles, soit en vert, et puis d'autres pas en vert, en fait. Ok, donc voilà, on a une vue, on a un couplage ici. Il y a un exemple ici de couplage de l'information manipulée par le client lourd avec une information web pour faciliter l'analyse. Alors, si je reviens... Là, j'ai fait la démo. Si je reviens à la présentation, parce que là, nous sommes à la présentation de NetBeans. NetBeans nous a permis, en fait, de structurer le code. Dans notre
idée de développement, on voulait faire une application modulaire avec le SIG comme base et puis les métiers autour, mais c'est lié aussi à un niveau de licence de l'application. Donc, le fait de développer différents modules, ça collait bien avec NetBeans, mais ça collait aussi bien avec notre volonté derrière, vraiment de fournir des niveaux de licence de l'application. La deuxième chose, c'est que ça facilitait le développement. Moi, je vis en Côte d'Ivoire, mes équipes vivent, et je vis en France, mes équipes vivent en Côte d'Ivoire. On a partagé les modules entre développeurs, en fait, et puis chacun a développé un ou deux modules, en fait, de l'application. Donc, en cela, NetBeans n'était parfaitement adapté. Parce que ce qu'on a fait, c'est qu'on a développé ensemble le noyau, la carte, plus la partie base de données, et puis après, les métiers, chacun. Moi qui ai fait de la topographie, je développe la partie topo. Il y a des informaticiens qui développent la sécurité, d'autres développent le lotissement, parce qu'ils sont spécialisés aussi dans ce métier-là, en fait. Donc, il y a vraiment une approche métier dans le développement aussi, en fait. Il y a un gain de temps, parce qu'on a réutilisé des choses existantes, on n'a pas recréé la roue. On a bien aimé la centralisation de la mise à jour, parce que ça, vraiment, ça fait gagner du temps. On a bien aimé aussi les fenêtres de propriété. Vous avez vu, lorsque j'ai cliqué sur la parcelle, il affichait une fenêtre de propriété sur le côté. Ça, c'est vraiment, vraiment pratique. Et puis aussi, l'intégration de composants Swing. Parce que comme c'est fait en Swing, on arrive à récupérer des composants Swing. Par exemple, la carte, on l'a modifiée, mais c'est un composant Swing natif de GeoTool, en fait. Et puis après, on a rajouté là-dessus des fonctionnalités. Donc, on envisage déjà de finir la version 4, de bien la consolider. Et puis après, de vraiment porter... Vous avez vu dans la réflexion, on a eu toute une couche avec Spring, Hibernate, toute une couche middleware, en fait. L'idée, c'est de porter cette couche-là dans un environnement web, en fait. Parce qu'on voudrait aller plus loin que le client loue, en fait. On voudrait centraliser aussi les données de nos clients. D'un cloud avec un mot de passe, avec un espace de stockage et tout ça. Donc, l'idée, c'est vraiment de porter le code qu'on a fait au niveau desktop. Parce qu'on s'est mis... On a vraiment utilisé Spring API Hibernate parce qu'on voudrait être directement dans un environnement web, même en mode desktop, en fait. Et puis, on voudrait aussi... Bon, là on en pense de plus en plus, en fait... dockeriser notre application, en fait, pour vraiment aller vite dans la partie développement et puis pour réduire la distance entre le dev et puis l'opérationnel. Je vous remercie. Et s'il y a des questions,